Bonjour, je m'appelle Alex Forêt-Langlois et je fais le lancer du disque et du poids. J'ai fait 8 ans de gymnastique avant l'athlétisme. J'ai commencé l'athlétisme en 2007. J'ai commencé avec le sprint, les sauts. J'ai arrêté le saut en longueur il y a 2 ans. Mais là, c'est ça, je me concentre vraiment sur les lancers. Présentement, j'étudie à l'Université d'Hawaï. Ils m'ont recruté pour l'athlétisme. Donc, je vis le rêve. Qu'est-ce que j'aime? C'est vraiment, dans le fond, tu es ton propre compétiteur. Faut tout le temps que tu dépasses. C'est tellement technique, faut que tu sois dans ta bulle. C'est la force aussi, la force pure. Et j'adore ça, dans le fond, moi, j'aime la musculation aussi. Donc, m'entraîner, puis tout, j'adore ça. Mais qu'est-ce qui me motive à continuer le poids? C'est que je sais que j'ai encore plus de potentiel. Même si j'étais junior, je suis allée au Canadien senior. Je me suis classée top 8. J'ai fait des bonnes performances aussi. Et avec l'Université d'Hawaï, là, c'est sûr que je suis rendue à faire mes saisons américaines. Puis cette année, ça a très bien été. J'ai très bien progressé. J'ai fini 3e, dans le fond, dans ma conférence pour le lancer du poids. Et tout est dans les hanches, comme on peut dire. Donc, il faut garder le tronc du haut du corps tourné vers l'arrière le plus loin possible et regarder en arrière le plus loin possible aussi. Avant, j'avais de la misère à utiliser, dans le fond, toute la force de mes jambes. Même encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de petits détails qu'il faut travailler. Bien, c'est lancé, ça a l'air bien simple à faire, mais c'est tellement technique. Le power, il vient vraiment des jambes, puis ça se transfère avec le mouvement des hanches. Tu sais, c'est sûr que j'ai eu des blessures, là, j'ai des tendinites, mais là, c'est vraiment... En fin de semaine, j'ai accès à des physios, fait que je veux vraiment, dans le fond, prévenir ça le plus possible. Mais mon coude, j'ai une tendinite interne et externe, donc... Tu peux pas vraiment, dans les gros temps de compétition, tu peux pas vraiment prendre de repos. J'ai tout le temps une douleur, mais on tape, j'ai les physios, j'essaie de me mettre de la glace et d'arranger ça. Mais tu sais, c'est sûr que je suis habituée à lancer avec la douleur. Mais non, des fois, ça peut me nuire. Des fois, je peux pas continuer mon entraînement parce que j'ai trop mal cette journée-là. Fait qu'il faut que je fasse attention, là. Tout athlète a un rêve olympique. Pour l'instant, c'est tout le temps dans ma tête. C'est vraiment le but ultime de l'athlétisme. J'ai beaucoup de travail à faire encore. Dans le fond, je vais essayer d'aller le plus loin possible que je peux avec ce sport-là.